MC Alger, mystérieuse disparition d'un international. L'absence prolongée de Mehdi Zerkan a incité la direction du MCA à prendre des mesures disciplinaires. Le club algérois a fait appel à un huissier de justice pour constater officiellement l'absence du joueur lors de la reprise des entraînements. Le MCA a publié ce mardi 31 octobre 2023 un communiqué sur ses réseaux sociaux pour annoncer ses mesures strictes. Mehdi Zerkan, âgé de 24 ans, avait rejoint le MCA lors de la période estivale, signant un contrat de 2 saisons en provenance de Nîmes Olympique en France, une équipe de la Division 3. Le milieu offensif a été convoqué une seule fois en équipe nationale d'Algérie en 2020, il avait également porté les couleurs des Girondins de Bordeaux entre 2020 et 2022 et de l'OFI Crète en Grèce en 2022. Le Mouloudia d'Alger indique que le club userait de toutes les voies à sa disposition pour faire valoir ses droits. La direction du MC a eu du mal à joindre Mehdi Zerkan alors que son agent, lui aussi, est resté injoignable, ce qui a encore compliqué la situation. Face à ce silence radio, le président du MCA Adjred Djem semble déterminé à déposer une plainte auprès de la commission de résolution de la Fédération algérienne de football pour rupture unilatérale du contrat. Le MCA réclame également le remboursement de 3 mensualités, couvrant les mois d'août, septembre et octobre, au moment où Mehdi Zerkan avait signé avec le club.